Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Chain Echoes. On était à Farnsport, on était parti voir Magnolia. On a fait un petit rêve. On avait fait un petit rêve du côté de Magnolia. On a fini le rêve, on a sauvé la personne qu'il fallait sauver. Et voilà, tranquillement maintenant, on a une petite quête annexe à finir. Pénètre dans les grottes d'Orgran en passant par le champ de Roland et de Madeleine. On va aider Madeleine. Il n'y a pas de problème. D'accord? T'inquiète pas. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Voilà, c'est là-bas qu'il faut y aller. Donc tranquillement, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va voler. Hein? Donc, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va vers là-bas, automatiquement, hein, de façon automatique et radicale, de façon radicale et automatique, hein, de façon radicale et automatique. Donc, voilà, je fais n'importe quoi, mais bon, on a l'habitude, hein. On a l'habitude de faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. N'importe quoi. Par ici, non? Si je dis pas de bêtises. Voilà, 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 voilà. Ah bah voilà, c'est là. La dernière fois, j'étais bloqué. J'étais en mode blocage. Je me rappelle bien de tout ça. Let's go. Wow, putain, ça m'a fait flipper. Ah, ça m'a fait flipper. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds. Ah oui, ils m'ont fait flipper, les bâtards. Pas besoin de soigner, on va tabasser direct, je pense. Eh mais pourquoi j'ai changé l'épée légère avec l'autre? Putain, je suis con. Ouais, là, ils ont l'air d'être chauds, par contre. Eh, ils sont brillants, donc ils vont donner plus de récompenses. Ça, c'est bien, ça. Tiens, on va te faire un petit Kesageri. Ouch. Tiens. Tiens ça. Oh, doucement par contre, là, ça fait mal. Hein. Pas se mentir, ça fait très très mal cette histoire. Bon, on va utiliser ça ici. Moi, j'aurais pu le tuer, je suis con. Non, j'aurais pas pu le tuer. Ah, maintenant, j'ai pas d'AOE avec lui. Faut que je rechange les... Faut que je rechange les commandes. Allez, dégage. Tiens, meurs. Meurs, meurs. Tu voudrais pas mourir? Ah putain, il l'a assommé, bordel. Eh, il te l'a assommé. Putain, c'est vraiment pas un blagueur, lui. Par contre, compétence. Définir compétence. Toi. Clémore légère. Mais on va faire quoi derrière? En fait, ça, j'utilise jamais. Je l'utilise jamais. Donc autant mettre ça. Ça je l'utilise, ça je l'utilise quasiment jamais. Donc ouais, c'est bien, c'est bon. C'est bon, on est bien. On est bien là. Ça c'était un autre chemin. Qui mène bien sûr à ça. Ok. Hop là. On est bien là, on est bien là. Deux petites secondes.
Let's go. Tranquillement, voilà, on nettoie la grotte. On nettoie la grotte. On la nettoie bien comme il faut. Ok, là on va. Ah merde, je voulais changer les personnages. Gros problème de concentration. Ah merde. Tiens, meurs. Toujours défoncer le soigneur, hein. Ça, c'est la base. C'est la base. Et pourquoi j'attaque le tank? Je suis con, quoi. Vas-y, tiens, meurs vite fait là. Je pense que j'aurais dû changer de personnage, j'aurais dû mettre Sir Victor. Honnêtement, la meilleure équipe, c'est Glenn, Sir Victor. Si on est en, s'il y a un boss, on met la petite princesse Amalia. Et avec Sienna, meilleure équipe ever. Sinon, pour les mobs, on enlève Amalia et on met l'autre là, le lézard. Et on fait que des AOE. Tayadix. Merde, j'aurais dû changer de personnage. Putain, je suis pas concentré là. Je ne suis pas concentré. Malheureusement, je ne suis pas concentré. What do you say? Je ne suis pas concentré. What do you say? Je ne suis pas concentré. Comment on fait pour venir là? Attendez, attendez, attendez. Moi, je passe pas par un chemin sans que je l'ai nettoyé à 1000%. Et là, il y a un petit endroit avec des coffres et des petits passages secrets. Croyez-moi, voilà, putain, je le savais, je suis un génie. Merde, je voulais changer de personnage. C'est pas grave. Yoko Taro. Voilà, tranquille. Bon, on va garder Amalia parce que je pense que ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud. Voilà. Toi, tu dégages. Putain, ça buff, ça fait du buff attaque là, par contre, c'est chaud. En plus, buff agilité là, si je dis pas de bêtises. Waouh, c'est chaud. Il va me smash. Ah ouais, c'est chaud. Vas-y, on va faire ça. Après, on va faire guérir tous. Guérir tous. Bien comme il faut. Et là, on va faire. Ah putain, on a ça, c'est pas mal aussi. Non, je suis obligé de faire ça. Ah merde, on va être en. On va faire ça tranquille. Aïe. Aïe. Ça fait vraiment mal par contre, ça. Guérir tous. Non, esprit éveillé. Et après, avec l'eau, je fais guérir tous. Voilà. Et là, on est bien. Tu fais très très mal, toi. Mais pourquoi tu tapes la même personne? Tiens, meurs. Et même pas, il meurt. Putain. Quoi, il est pas mort? Ouais, c'est chaud là ce qui se passe. Voilà. Non, c'est chaud là, c'est chaud. Ok. Aïe.
pense qu'il faut que je fasse un ulti là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, mon ami? Revers violent. Ah bah c'est parfait. Oh, c'est pas non plus fou là ce que tu viens de faire, mon ami. Oh, c'est pas fou, c'est pas fou. C'est pas fou, hein. On va pas se mentir. Tiens, un petit revers violent. Ils étaient coriaces, hein, ces petits. Hein. C'était très très coriace. Je pense que ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Ouais, je suis pas convaincu, mais bon. Là, il y a un coffre là, non? Bah oui. Wow, nice. Nice. 6 étoiles. Ça veut dire que c'est du très très lourd là, si je dis pas de bêtises. Let's go. Bon, je pense qu'il y aurait des ennemis là. Je pense qu'il y a des ennemis qui vont surgir de l'eau. Code de maille, ok. On est bien là, hein. On est pas mal là, les amis. Il va falloir juste que j'améliore ça, j'ai combien d'or? 6002? C'est pas ouf. C'est pas fou fou fou, mais c'est sympa. Ok. Ah bah c'est génial ça, lieu de voyage rapide découvert. Mais elle est où Madeleine? Ah bah elle est là. Le monstre vicieux dont je parlais se trouve devant nous. Il est trop fort même pour vous. Mais si vous pouvez lui donner cette baie à manger, vous aurez peut-être une chance. J'ai mis au point cette baie pour les monstres aussi forts que lui. Elle affaiblit considérablement leur corps. Ok, c'est sympa. Il va y avoir un boss que je vais devoir tabasser très très fort. Mais je pense que je vais revenir. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça que je sais ce que je vais faire. Champ. Champ de Rohan. Voilà. Ce qu'on va faire. Bah, toi t'es là. Vendre. Et cette fois-ci, on va pas faire le con. On va juste vendre ça. Mais j'ai rien vendu en fait. Et bague mystique, c'est ouf. C'est un accessoire de ouf, ça. Ceinture du magicien, c'est pas lui que je vais mettre ça. Je vais mettre ça à elle peut-être. Ça veut dire quoi ça? Je vais mettre ça à qui? Ah, je vais mettre ça à elle en fait. 15% de l'agilité, non, c'est ouf. En vrai, de vrai, c'est ouf. Non, je vais mettre ça à elle en fait. Mais non, c'est nul. C'est pas ça, c'est quoi le... Ah c'est ça, bague mystique. Augmente les PT de 12. Réduit les compétences. C'est ça, je pense. Bon, on va améliorer nos armes aussi. Ah ça fait un moment que j'ai pas fait combiner les fusions de cristaux aussi. Ça fait un petit moment. Ouais, j'ai pas de sous aussi. Ah mais y a pas photo en fait entre ça et ça.
Juste par photo au final. Donc, ok, donc il nous manque ça, un moine, un mec qui utilise des cartes, et un mec qui utilise des baïonnettes. Donc combiné automatiquement. Qu'est-ce qu'on a à combiner? Cristal de base. Non, je vais pas mettre des amulettes, mettre des épées, mettre des lances. Ah bah ça va me faire un 8, un numéro. Ça va me faire un niveau 8 si je fais ça et ça. Non, ça je peux l'utiliser qu'en cristal de base, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais il a 0 de pureté. Donc j'ai rien en fait. Attaque de lumière, ça va faire une attaque de lumière 5. Donc c'est pas mal. Attaque huileuse 6. Ouais, après ça va me faire une pureté niveau 1 quoi. De 0, une pureté niveau 0. Mais si je fais 4 et 7, ça fait 7. Ça change pas grand chose. Ouais, je vais faire ça déjà. Ouais, mais ça changera rien au final, putain. Ah, ils ont fait un système un peu trop compliqué, honnêtement. C'est relou. Vraiment, c'est un système de merde. On va pas se mentir, hein. Échange PV. Plus, c'est que niveau 4, quoi. T'es sérieux, l'équipe là? Oh, c'est de la merde. Ouais, ça me saoule. Je ferai ça plus tard. Je pense que là, ça sert à... Je peux gagner 100. Let's go. Ah ouais, c'est un bon petit monstre ça. Et comment on est censé lui donner? Tiens, mange ça. Oh, 88 000. Ok, c'est parfait. Donc on va faire marche. 8 tours, mais c'est excellent ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Wesh, il va mourir là. On va faire Nukitsuke pour augmenter buff critique. Après, marche poétique. Mais là, il va mourir. Il a plus de vie le type. On va essayer de lui dérober quelque chose. Rien à voler, ouais, j'étais sérieux. Terra. Mais c'était très facile, wesh. Mais c'est quoi ce délire? C'est tout? Mais c'est une blague. Ok. Bon là, il y a un monstre bizarre. Non. Wesh, c'est incroyable ce qui vient de se passer là. Bon, la grotte, elle est immense. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'aime bien les quêtes annexes comme ça, quand ça va être... Non, mais ça va être trop long, je pense. Oh, c'est complètement fou. Qu'est-ce qui est écrit ici? Allez, Dieu, je savais, Nissa n'a pas sombré par hasard.
Mais lui, un coup de couteau, là, t'as insulté. Carrément, les interrupteurs sont dans tout le Valandis. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Glenn? Est-ce qu'on doit se donner tous mal? Ouais, clairement, moi j'aime bien les quêtes annexes. Merveilleux, dans ce cas, je vais attendre ici. Tu vas attendre ici? Je pense que Glenn voulait dire que nous allons chercher les interrupteurs pendant notre temps libre. Ah ouais. J'aimerais bien avoir une meuf qui m'attend comme ça, moi aussi. Elle m'attend toute sa vie. Et je lui dis, t'inquiète, un jour je reviendrai. Et un jour je vais vraiment revenir, mais. Si elle t'attend, t'as capté? Le son bug. Ouais, mais. Attends, à chaque fois, je sais pas si je dois t'appeler par ton blaze ou. ouais, je sais, je sais. Mais je peux rien y faire. Je relancerai le live après. Malheureusement, j'ai une connexion du bled. Tu connais, hein? Tu connais la 56K, frère. Tu connais AOL. Tu connais, ils te disent vous avez 20 mégas illimités, mais faut être raisonnable. En gros, t'as droit de télécharger une vidéo par jour. Wesh, y a des petits gobelins. Wesh, viens quoi, BG? Rage rare, rara. Et qu'est-ce qu'il raconte? Grenard rabat. Mais je peux pas avancer, genre. Grenard rabat. Vas-y. Tranquille, tranquille. À mon avis, il faut que je recrute un gobelin. Pour qu'il me laisse passer. Un mec qui parle sa langue. Sa petite langue de bâtard. C'est quoi ça? C'est pas des monstres? C'est quoi ce délire là? Attendez, attendez là. Je pense que là déjà. Ah ouais, là ça sent la douille de fou. Ah, ça sent les histoires là. Ça sent grave les histoires. Ah ouais, j'avais complètement oublié ça. Ouais, au final, j'en ai pas débloqué grave. Hein. Attends, ça là, ouais, cette quête là, je sais pas où je la trouve. Le dilemme du gobelin. T'inquiète, on va la trouver. Bon. On reviendra plus tard. Ouais, mais lui là, il va pas me laisser, il va me faire du sale par contre, je pense. Parce que j'ai plus de baie. Ah ouais, là ça va être un autre tour de manche. Je pense qu'il va me one-shot. I think he's going to one-shot me. Clairement, il va me one-shot. 3000. 3000 de dégâts. Carrément. J'ai même pas 200 de vie. Et 3000 de dégâts. C'est la meilleure, celle-là. T'en as des autres, des blagues comme ça, ou c'est comment? Trouve tous les leviers pour ouvrir le passage. Ben, ouais. Ah, c'est qui? Un membre de la guilde des aventuriers, laisse-moi te donner quelques conseils sur les monstres uniques. Deuxièmement, si tu as de la chance, tu peux trouver un monstre unique dans l'ouest dans l'ouest de. C'est un mâle alpha.
Ok, je vois le délire. Comme tous les mâles alphas qui se respectent, quoi. Ouais, je sais quoi ce délire là. Ah oui, il y a plein de cristaux là, on est refait les amis. Ok, bon, on va faire la quête principale, c'est bon. On peut rien faire de toute façon. Attends, il me reste des quêtes annexes au final? Eh mais attends, Tormund. Faut qu'on aille à Tormund. Voilà. Ok. Ah bah oui. J'ai tabassé que deux monstres uniques au final. Quête. Qu'est-ce qui se passe là-bas là? Mais non. Je vais le one shot là. Ah mais là il y a un levier, non? Pourquoi je peux rien, je peux pas le toucher? Ah, il y a un levier, non? C'est bizarre cette histoire. Bon, on va essayer. Ok, donc on a découvert un levier, j'imagine. Attends, mais il n'y avait pas un... Il n'y avait pas une grenouille là? Waouh, c'est stylé là, qu'est-ce qui se passe? Comment je kiffe les plaines comme ça ouvertes. Surtout quand il y a des monstres à chasser ou des trucs comme ça, là, comme dans Final Fantasy X et Final Fantasy XIII. Tellement stylé, mais là il a pas l'air de se passer grand-chose quoi.
Mais c'est obligé qu'il y a. Ah, ok. C'est obligé qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un monstre unique ou un boss, c'est obligé. C'est tellement immense. Waouh! Oh, c'est immense! Mais c'est insane en fait! Et une genre de licorne. C'est stylé, il y a tellement de choses à découvrir en fait. Je pense que je suis même pas à la moitié du jeu en fait, là, si je dis pas de bêtises. Après, peut-être que ça fait partie du bestiaire, on va essayer. On verra. Waouh, il y en a trois! Ouais, je l'ai même pas. Attaque de drone. Ok, ça faut les tabasser avec. Bon, j'ai la flemme en fait. Je verrai ça plus tard. Pour l'instant, j'ai envie d'explorer. Explorons, explorons. Et là, au milieu, il y a quoi? Oh. La porte est verrouillée, ok. Logique. Et un mystère. Ok, donc quand on a détruit le grand grimoire, ça a tout dévasté sauf cette chapelle. Donc il y a un secret derrière cette chapelle qu'on va découvrir un jour. Et ça, c'est excitant. Enfin. En anglais, excitant en anglais, pas en excitant en français. Vous avez capté, hein? Vous avez capté. Ah, c'est magnifique, honnêtement. Waouh. Ah ouais, là, c'est deux monstres uniques, là, c'est pas un seul, par contre. Ok, il y a plein de choses. Il y a encore deux autres, là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah ouais, d'accord. Donc, on peut passer par là que à pied. Puis, j'imagine là-bas, il y a un truc énorme. Genre un big boss, un délire comme ça. Mais bon, on n'est pas prêt. Mais attendez, 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 au final. Hop. Parce que on a activé le comment ça s'appelle? Le levier. On a activé le levier, on est d'accord? Il faudrait activer un autre levier derrière, c'est ça? Waouh, c'est insane ça. Et on fait comment pour arriver ici? Ok, donc je passe par là. Hop. Hop, 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 par ici. Let's go. Ok. Donc on devrait passer par ici, si je dis pas de bêtises. Et là. Non.
Par ici. Ok, cool. Puis par là. J'imagine qu'on devrait activer un autre champignon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que ça va nous ramener directement au coffre doré là. Et non? Bon, ça a activé quoi au final? Ah non, toujours rien. Ok, il y en a un là encore. Il y en a un ici. Oh, il y en a un ici. Ok. Donc c'est super pratique tout ça. Et voilà, il y en a un ici. Ok, let's go. Au moins, il n'y a pas de monstre à combattre. Donc c'est cool. Voilà. Hop. Ici, il devrait y avoir un champignon. D'accord. Ici aussi, voilà, en bas. Ok, cool. Donc là, il en reste un. Normalement, il en reste un. Et ce serait quel champignon? Non, on les a tous faits, ceux-là. On les a tous faits, mesdames et messieurs. Donc, je pense que c'est celui-là, là. Attendez, on vient d'ici, on arrive ici. Tac. Voilà, on arrive ici. Puis on arrive ici. Donc on a fait ça, tac, tac, tac. Ah non, il en reste un, ok. Ok, je sais. Ok. Oui, il faut juste que je trouve de quoi. Voilà, un terrain plat. Tranquillement. Et voilà. Ok. Maintenant, si on va tout droit, on va arriver. Et on fait comment? On fait comment, Mister? Attendez, je pense qu'il en reste un, mais on va survoler là. On va tout survoler pour savoir où il est. Ok. Ici, on peut pas y accéder. Ah, ok, il y a ça aussi. Bah oui. Let's go. Ah d'accord, ok. Et voilà. Le tour est joué. Donc si je dis pas de bêtises, il faut revenir tout en bas. Voilà, normalement ça devrait être ici. Pour avoir le coffre doré. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air magnifique. Âme de Farnèse. Ok. On sait pas à quoi ça sert pour l'instant. Donc on n'a toujours pas fini la quête. Je sais pas ça sert à quoi, mais c'était cool en tout cas. C'était vachement cool. Donc nous, il faut qu'on aille ici.
El Chapo et débarque. Il s'appelle El Chapo. Élimine El Chapo. Oui, mais au final, c'est pas ça qu'on recherche en fait. C'est qu'ici, il y a une quête annexe. Mais est-ce qu'on l'a on l'a achevée ou pas? Est-ce qu'on a fini? Pourquoi l'icône reste toujours ici? Pourquoi l'icône est toujours active? C'est ça la question. Je pense qu'il y a encore pas mal de bugs dans le jeu en final. J'ai tabassé le chapeau, c'est marrant. Bon après j'ai triché donc... Enfin triché entre guillemets. J'ai utilisé mes armures célestes. J'aurais pu y aller à la loyale et ça m'aurait pris 10 fois plus de temps. Bon. Merci à tous d'avoir suivi, c'était une quête assez sympa. Bah on se refera ça bientôt pour le prochain épisode. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!